président à vie, Jean-Claude Duvalier, vient de remanier son gouvernement, applique depuis 3 ans la dictature fonds monétaire international. La voiture essayait de donner le change. Seulement, il avait déjà bouclé ses valises et demandé sans succès à plusieurs pays le droit d'asile. There's too much confusion. I can't get no relief. Business man there, to drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on a mine. Nobody up in this world. Vous restez au pouvoir. Est-ce que vous allez conserver l'idée de faire des élections l'an prochain? Il n'y a jamais été question d'organiser d'élections. Pas d'élections. Et vous êtes président à vie. Le président à vie Jean-Claude Duvalier, sous la pression américaine, a donc abandonné le pouvoir. Il a quitté Haïti à 9h30 heure française à bord d'un C-141 de l'armée de l'air américaine. L'avion a pris la direction de Porto Rico pour une escale technique, puis direction la France via les Açores. L'appareil est attendu à 21h35 à Grenoble. Vous dirigez le destin de cette terre héroïque de Dessalines, je me suis attelé avec enthousiasme et dévouement à la tâche. Sans vouloir faire ici un bilan exhaustif de ce qu'a réalisé mon gouvernement au cours de ces 15 dernières années, je dirais avec satisfaction que j'ai relevé l'économie du pays, assuré la promotion et le développement de l'industrie, bâti l'infrastructure matérielle qui manquait pour un démarrage réel, développé l'ambiance nécessaire à l'épanouissement des investissements. Nous avons créé un très grand nombre d'emplois pour cette génération de travailleurs de plus en plus qualifiés. Nous avons apporté le pain de l'instruction à un plus grand nombre d'écoliers.